Donc, bienvenue à l'atelier des saveurs à Neuilly-les-Mines. Donc, je suis François Santerne, le chef de cuisine de l'établissement. Restaurant qui propose une cuisine semi-gastronomique avec une cuisine 100% faite maison. On a une capacité de 45 places au niveau du restaurant, une salle de réception pouvant contenir 60 personnes et une salle privative, une quinzaine de personnes. On a une activité de traiteur et également cours de cuisine qu'on réalise sur place. On fait une cuisine 100% faite maison, on va rechercher la finesse, on va rechercher de l'originalité. Voilà, on travaille principalement avec des producteurs locaux, aussi bien au niveau des légumes que de la viande. J'essaye de faire une cuisine qui me correspond au maximum, donc une cuisine créative. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des sardines marinées au vinaigre de cerise et à l'estragon, sorbet betterave. Donc pour cela, comme ingrédient, il nous faut des filets de sardines, de l'huile d'olive, de l'estragon, du vinaigre de vin rouge, des cerises et ensuite en décor, borage cresse et tuiles de pin. Donc pour commencer, on va faire bouillir le vinaigre avec les cerises, ce qui va apporter donc l'acidité et un peu le côté sucré de la cerise. Une fois que ça boue, on va laisser mariner quelques minutes pour que ça s'infuse bien. Il faut faire attention quand ça boue, pas se mettre au-dessus, que c'est assez fort. On va mettre un petit peu d'estragon. Là, ça bouge, j'arrête la cuisson. Et ensuite, je mets l'huile d'olive. Je reporte à ébullition à nouveau. Une fois que c'est bien chaud, j'arrête. Et je viens verser une partie de cette vinaigrette sur les sardines. Et j'en garde une partie pour faire mariner les cerises. Donc l'idéal maintenant, c'est de laisser mariner comme ça pendant une heure. Ça permet de faire une cuisson très lente au niveau du filet et ainsi garder une bonne tenue. L'idéal pour la recette, c'est d'utiliser des sardines fraîches et non en boîte, forcément, qui sont déjà cuites. Donc, au bout d'une heure, on va prendre ces filets de sardines qu'on va mettre sur un papier absorbant pour les éponger. Ensuite, on va prendre les cerises donc marinées. Donc, on voit que l'extérieur est confit. Et elle reste assez croquante à cœur, donc on en met 6 par personne environ. On prend ensuite des filets de sardines qu'on vient disposer sur les cerises. Donc je mets 3 filets de sardines par personne. Ensuite, une quenelle de glace, donc betterave, donc réalisée avec des betteraves, jus d'orange, quelques vinaigres et un peu de miel. Ensuite, on peut prendre la marinade des cerises qu'on vient verser par-dessus. On rajoute une touche végétale en mettant une herbe qui est un peu iodée. Et enfin, pour donner un peu de volume et un croquant, une petite tuile de pin. Une tranche de pain très fine qu'on badigeonne de beurre fondu et qu'on passe au four à 180 degrés. Voilà,